Là, toutes les bottes sont défaites. Pompe à l'eau. La braquette du filtre à l'huile. Poulet du crank. Support moteur. Ah, je vais mettre du bleu ici. C'est tout, c'est une bleue. Puis, c'est ça. On peut brailler ça. Puis, support moteur, il faut enlever la bolle. Tiens, la balle à Preston, parce que elle est genre comme ça. Puis là, ben, elle cache la bolt du support moteur. Puis là, le support moteur, lui, slacker elle pour qu'il soit lousse. Les trois longues bolts du support moteur. Puis il y a trois bolts sur le frein, mais avant, il faut les séparer. Ces deux bolts-là. Il y en a une cachée en dessous. Dans le fond, tu enlèves ce morceau-là. Après ça, tu peux enlever lui. Là, je les ai réassemblés pour pas me tromper là, où est-ce qu'ils vont les bottes. Il y a des balles. Ça, t'es... Il est à mes couilles. Décollé. C'est parce qu'il reste le silicone. Là. Ouais. On peut pas aussi me brailler de dedans. Ouf, ouf. Ouais, ok, t'as un peu. Il y a de quoi encore d'après moi? Ça se peut pas que ça soit du silicone. Ah, mais là, je vais le refaire en bas ici. Drette là, il y a une place. Il y a plein de silicone dans le réseau que je viens tout le temps. Ouais. Oh yeah! C'est gros pareil, man! Ouais. On a-tu tout enlevé là? Est-ce que oui? Oh, hey, il y a une pin, ça. Putain. Ah, une pin planier. Ah, c'est si, man, attends un peu. Putain, tensionneur, le timing chain. Dans le fond, quand il s'étire, il vient se barrer à chaque fois. Fait que là, il vient tirer là. Et tu peux le remettre à sa place. Tiens. Comme d'origine. Fait que là, quand que. Tu fais juste peser, là, truc. Puis il s'enligne jusqu'au bout. On va le remettre à zéro. Y a-tu rough le spring? Non, mais c'est parce que c'est dur de peser. De le tenir en même temps. Ah, c'est parce que c'est tout qui tourne un peu. Non, mais. Et tiens. That's it. Fait que là, ça va être bon là. La chaîne, elle fait quoi? Il y en manque-tu une en bas? Il y a de quoi qui manque? Il y a de quoi qui manque? Quoi, qu'elle crache? Ah! Ah, le crank? Ah, ok. Ah, c'était le chef du crin qui dépassait trop là. Là, ah, petit couvert! Le tensionneur, le timing chain est là. Ah, il y a une passe d'huile ici. Chut, ça remonte là. Là, les O-rings, on va tous les changer. On a un gros kit nœud. Dans le fond, on va le laver pour y faire des marques là. Ça, ah, t'as pas mal le temps en attendant, je vais le laver. Les trois poulies. Ah, elle, il y a déjà la marque jaune en dessous. Ouais, elle est déjà bien placée. Ouais. Ok. Que c'est bon. J'ai fait trois marques. Fait que là, je peux enlever la chaîne. Tarnouche! Tiens, on dépasse d'en bas. Ouais, même pour la sortir, on va y faire ici. Là, c'est ça, là.
la... Alors, le sprocket, ça, il est marqué. Mais le chef aussi, mais de toute façon, il y a le chemin de clan en plus. Là. Fait que, on peut l'enlever. Oh, wow, ok. C'est bien, bien fait, ça. Oh, tabarouette. Bon. Tiens. Je vais la passer ici. Ouf. Yes, sir. Ok. Voilà. Belle chaîne neuve. That's it. Ça serait ça après mon bloc tech. Que... Tiens, les fils d'un jambe. Masking tape, yes, sir. Fait que là. Ça va se séparer. Fait que. On va enlever ça. Parce que. Casquette de tête, il est ici. On a une botte en haut. Puis. Une botte en bas là. Là. On va dévisser au moins celle-là. Le ratchet qui est pas facile à rentrer. Tiens. Dévisser la note. Fait ça, dévisser le stud. Même. Fait que là, on est séparé ici. On va dévisser couvert de valve, le cam holder, je sais pas comment est-ce qu'il appelle ça autrement. La tête est ici. On va enlever ça ici. Là. Trois bottes là, trois bottes là. Fait que là, ici, les noirs, dans le fond, on les laisse là. Ça va tenir les braquettes. Les cams vont rester là. Fait que là, normalement, on pourrait tout enlever pour avoir accès aux bottes de tête. Ici. C'est bien ça. Ça va être un petit peu. Oups! Tiens, vive la violence! Ils n'ont pas le même nombre d'huile. On dira pas à personne. Ah, baby! Attends un peu. Ah, ok, c'est bon. Le stud est type. C'est bon? Non. Lève les dents, ouais. Ah, oh, c'est bon. Ok! Bon, on va les offrir. Bon, avec là, pour enlever la tête. Ben, ça, c'est dans la tête, la hausse qu'il y a là, là. Puis, il y a une botte de la braquette, là, qui tient toute l'affaire de GA ici. Puis, on va partir avec le headers, puis le retour GR. Ah, attends, j'ai nettoyé la lentille. Fait que, c'est ça. Il nous reste la botte en dessous, là. Après ça, il... Là, on défend les bottes ici de la tête. Là, ça va sortir. C'est vrai, j'allais oublier la traque d'injection. Ou qu'elle parte aussi. Tout part. Bon, ça, on va toutes les enlever, là. Puis on va les remettre dans le même ordre pour les remettre à la même place. Là, ils sont pareils, mais ils ont sûrement des marques d'usure propres à leur position. Ça marche! Il va falloir que je me la jette par exemple avant de remonter ça avec les bottes neuves. J'ai mis une 6 pins. Mais c'est une 12 pins. Tu vois? Mais c'est quand même solide. Bon, est-ce que je peux bien ça? Là, je vais mettre ma main sur le ratchet. Ah oui, puis
je porte ici là, parce qu'on a enlevé une braquette là, tu sais, ça aurait tenu pareil là, mais c'est mieux de supporter parce que sinon ça fait forcer le support, ben les deux supports là, là que dans le fond c'est pas des, c'est juste des supports de torsion, fait que comme ça c'est sûr c'est plus safe. Puis là je parle de support qu'il y a là, puis le support qu'il y a là. Dans le fond, il y a quatre supports là. Un là, puis un là, qui tiennent le poids. Puis les deux autres font la torsion. Maintenant, le vent, lui, le poids, il se transfère sur les deux là. Fait que là, on supporte par en dessous là. Puis le lift, ben, il est à côté ici. Parce qu'il n'a pas sa safety encore là. Mettons, il va barrer juste là, là. Fait que là, il n'est pas barré, mais de même, ça le tient. Check ça quand même! Ça marche! Tiens! Chris, un pied sur la table, je dis, ça va pas faire mal à personne. Là, dans même. L'autre toi. Oh shit! Voilà. Tu commences à avoir du monde à la messe? Yes. Ah ouais, la vôtre à GR! Bon, ok. Ah! Le gizmo. Ça se tausse. Check la vôtre. Je la vois même pas du ce que je suis. Elle est vissée dans la tête. Tiens, braquette de même. Ok, je la vois. Je me mets comment? Ah, recule-toi plus. Ben c'est parce que là, le module, il est dans les jambes. Ben, là, vas-y, vas-y, de ça. C'est là, là. Et voilà, ouais. Oh yeah, en plus, elle était facile au bout. Shit. J'ai même pas forcé. Check ça, le spot. Comment ça, José? Bon! Fait que c'est rouge-jaune, rouge-bleu, et ma petite ligne bleue en haut là. On se reprend pas! Allez, check ça là. Ici, on a enlevé une note, tout ça. Mais les studs, ils sont pas dévissés là. Même affaire pour la botte qui est cachée en dessous de ça. Fait que là, je peux pas enlever ça. Parce que ça, c'est vissé dans la tête, puis le header aussi. Puis je vais pas forcer pour plier le tuyau. Fait que là, t'es obligé de sortir le stud ici, là. J'ai pris une douille 5 mm, ça file. Mais ça m'aurait pris. Je sais pas comment t'appelles ça, parce que. Un torque inversé. Un torque inversé. Mais c'est quoi? 5 mm, ça fait un job. Là, même que j'ai dévissé les deux studs ici, je vais pouvoir tasser ce morceau-là pour l'enlever de sur le stud. C'est pas pire, t'as taillé toutes les études. Un petit gasket. De métal! On a 109. Fait que. Ici, il y a comme deux coches à gauche. Il va de même. Ce bord-là est comme pas nocoté en double. Mais en bas, oui. Puis sinon, mais dans le fond, la coche d'en bas, dans ma gauche, de même. Parce que, tu sais, pas être dans le même, ce serait pas bon, là. Mais comme ça. Les modules, sont dessus. Ouais, comme ça, c'est bon. Bon, après ça. Ça se lève. Elle est partie. Fait que là, celle-là, ça c'est déjà lousse là. On pourrait peut-être enlever. En tout cas, on va enlever lui certain. Fait que là, on n'est pas capable d'enlever ça parce que l'espace est tellement petit. Tuyau le stainless, c'est là. Il est flexible lui là. Puis une braquette là. Fait qu'on va le faire d'abord de la braquette. On va pouvoir tasser le tuyau pour déplaguer ça. Pour aller défaire aussi la botte en même temps, on a de la place ici. Puis il va rester. Le sensor de température là. Mmh.
Hey, Pacus! De la rallonge. Rallonge. Fait que là, on l'a laissé là, c'est... celle-là, là. Bout de la braquette, c'est... elle est pas facile d'accès, on l'a juste comme... débarré, là. Mon index, on l'avoue même pas, là. Et... bon, tu vois, la braquette est là. Il y a une botte là, là. Fait que là... c'est lousse, mais t'as encore sa place. Mais, elle nous permet d'enlever tout de suite la hausse. Tiens, il est décollé. Il reste une botte. Tiens, tout est fait. À moi, là, ça sort. Une poignée, mais... ah, ok, c'est ça, il y a des petites pins pour aligner, là. Ça, là. Ouais. Entrez ça ici. Oh, yeah. Ben, là. Tiens, la pin qui est en ligne, elle est là. Ouais, pas vrai, tu me prends avec moi. T'as une autre pin qui est en ligne sur ton coin, là. Ouais, ok, allez. Et voilà! On a des noirs. Et cette, ça s'y est plus grand chose. Mais c'est pour ça, regarde, tu loues le feu. Puis c'est comme des doublés, là. Check. Tu vois entre les deux, c'est noir, là. Et cette, là. Pas supposé être noir, ici, de boucan, là. Ça, c'est ah, bien, ouais, c'est ça. Comme ça le feu passait, là, tu sais. Ouais. Exposé, on va passer là. Ici, on voit bien, là, le dédoublement. Mais tu sais, même cette couleur-là, c'est pas parfait. Supposé que t'es un gris foncé, mais pas... Ah, le gars qui va planer la tête, il aime bien ça quand c'est déshabillé pas mal. Je vais enlever ces bottes-là, raideuses. Puis il y a ça qui peut tomber aussi, là. On va toutes les remettre en même place. Il y a aussi les washers, des bottes. Bottes de tête. Tiens! Les washers sont enlevés. Bien sûr, voilà! Des connexions. Tiens, toi. Là, tu peux le voir, là.